Ok, me voilà dans une autre faille. Est-ce que tu dois dire à voix haute toutes les stupidités qui te passent par la tête? Bien sûr que c'est une faille. Une autre de mes simulations planétaires que tu as endommagée. Dépêche-toi de la traverser. Ça risque de prendre un moment pour atteindre le centre. Ça ressemble à un labyrinthe géant. Oui, c'est exact. Tu dois y déplacer physiquement ton corps. Quelle misère. Les murs se déplacent. Je vois bien ce qu'est ce mur, mais avec quoi ? C'est fragmenté. Il y a quelque chose. Fermé. Bon, où est la clé? Pourquoi t'as décidé de venir dans ce système solaire, Faye? Je dois faire des recherches intergalactiques afin d'acquérir de nouveaux savoirs. La Terre n'a clairement rien à offrir. Presque si fort. Tu ne peux vraiment pas voler. Du calme, j'y suis presque. Cogno, les jaguars fragmentés. Je les trouve pas loin. Bonne couleur de l'univers.
Les portails doivent se trouver dans la tour au centre du labyrinthe. Je fais semblant pour attendre. Je sais que ton petit cerveau a du mal à comprendre des instructions simples, mais tu dois atteindre le centre de la faille, pas son extrémité. Merde, je suis coincé. Je crois que je les ai tous eus. Enfin, un truc utile. Suggestion notée. Bon, je crois que j'ai rien. Et voilà, saleté. J'y gagne.
Faye, tu fais quoi ensuite? Plonge dans cette faille, littéralement. Je trouve l'expérience de celle-ci particulièrement fascinante. Elle étudie la viabilité aquatique des organismes, dans ce cas précis, des organismes terriens. Ton système respiratoire consomme de l'oxygène. Voyons à quel point cela est viable. Laisse-moi t'expliquer simplement. Suis la lumière, atteins les cristaux d'oxygène ou tu mourras, douloureusement. Faye, tu fais quoi ensuite? Plonge dans cette faille, littéralement. Je trouve l'expérience de celle-ci complètement fascinante. Elle étudie la viabilité aquatique des organismes. Dans ce cas précis, des organismes terriens. Ton système respiratoire consomme beaucoup d'oxygène. Voyons à quel point cela est viable. Thank you.
De vie humaine est trop courte pour faire de grandes avancées technologiques. Enfin, vous communiquez quand même verbalement et à travers divers appareils. Excusez-moi. Ta capacité pulmonaire est étonnante, Fanny. Je me demande combien d'air ils peuvent contenir.